Je suis tout à fait furieux. Cette chose qui puait. Je n'en reviens pas que mon frère ait accepté de donner de l'or en échange. Ça doit être maudit. Il va falloir prévenir la garde! Garde! Venez vite! J'ai repéré un hors-la-loi! Salutations les murs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre 9e épisode sur Tezo. Nous étions partis la dernière fois et bien commencé notre petit entraînement concernant la fête du dragon, la saison du dragon. On a réussi, alors malheureusement j'ai réussi, mais sans vous pouvoir vous le montrer, à accéder à la salle et tout, à aller déposer l'urne de l'autre avec ses cendres. Ça n'a pas été de tourpeau. On était paumé dans le coin. Alors, je sais plus où exactement. C'était dans des ruines. D'abord, machin. J'avais dit que j'y retournerais, mais vu où je suis posé. Ouais, ça se trouve, c'était là. Hein, c'était le donjon, la nécropole de Rimmen. Elle est juste là. Alors, je vous avoue que de me retaper tout le monde pour vous montrer là où je suis allé dans la salle au fond. Ouais, si je suis amené à y devoir y retourner pour la saison, on ira ensemble. Et cette fois. J'ai de la place sur l'ordi pour les fichiers vidéo. J'espère que le logiciel GeForce Experience va pas planter entre temps. Là, il y a un dragon qui est en train de se promener et nous, faut qu'on se rende là. Passer à l'épreuve du savoir. Donc, on a fait l'endurance, on va aller là. Putain, il y a un dragon qui est en train de se pointer par ici. Hein. Ah, il est là. Regardez, il vient de passer, il est là-haut. Ok, écoutez, je me rends là-bas. Et puis on verra si après il faut se retaper des entraînements et compagnie, on verra bien. Donc on va se dépêcher de foncer là-bas et d'aller voir le savoir qu'on va nous demander. Ok, mur, on arrive. Je sais pas si ce serait le truc qui est posté juste au-dessus. Il y a pas mal de monde qui y va, donc il y a peut-être des chances. Non, c'est pas juste là. Bon, ça, je sais pas s'il y a un truc à faire. Papillon, je m'en fous. De toute façon, j'ai pas de place dans mon inventaire. Donc, ça va être compliqué. Ouais, faut que je fasse de la place. Faut qu'on aille voir aussi pour l'enchantement, le craft et compagnie. Donc, le chemin, ce serait au-dessus. Ah, si je prends le pont, ça va m'amener complètement à l'autre bout. Je vais essayer de passer par là. Hein. Si on est encore loin. Non, je suis passé là. Je sais pas si c'est là. Hein. Ouais, ça se trouve, c'est... Putain, ils mettent mon symbole. Mais ils me mettent plus sur la map. Ah ouais, c'est parce que c'est beaucoup plus loin, les gènes. Ah ouais, je vais traverser par ici. Hein. Ok, mur. Alors, l'épreuve du savoir, ce serait là dans le coin. Je sais pas s'il faut que je tape de la harpie. Putain, je crois que je viens de claquer une fiole de soin pour rien. Ok, bon, ils sont barrés. On va taper la petite dame. Putain, le problème c'est que je peux rien prendre du tout. Je peux rien prendre du tout. Faut vraiment que je fasse de la place dans mon sac là. Ou que j'arrive à dégager ces trucs là. Par exemple, il aurait fallu que je trouve un marchand en chemin. Je peux même pas ouvrir des boîtes là en plus. Ok, mur. Je crois que c'est là. Bon, j'ai réussi à faire un peu de place et à récupérer au moins le ceinturon. Donc on va creuser ici. J'ai tapé les harpies. Ça, je vais le prendre. Ok, réussissez l'épreuve du savoir, ça c'est fait. Donc maintenant, je suppose qu'ils vont peut-être me mettre à... apporter la tablette. Ok, donc faut que j'aille à côté. Faut que j'aille au-dessus par là. Donc on va la porter. Hein. Voyons voir,
Alors, est-ce que ce serait par ici, juste là? Je ne sais point. Là, il n'y a personne. Ah, la map. Ouais, c'est encore plus loin. Putain, ça se trouve, si c'est tout en haut, là, je vais m'éclater. Je sais pas si... Ouais, non, ça se trouve, c'était le papillon à prendre. Si, là, il y a... Il y a un pont, je vais pouvoir monter. Ok, on a découvert suture. Ah, il y a un éclat de machin après, de savoir à prendre en bas. Donc on va y aller. Plan banc en bois. Putain, je veux bien le banc là. Ça, je l'apprends direct, les jeunes. Ça non plus, je peux pas le prendre. Ah, je sais pas si mon essai à Elder Scroll c'est fini là. Et Zo plus. Ah, je pense, hein. Dans les caisses, on s'en fout pour le moment. On les ouvrira à un autre moment. Inventaire. Sac d'artisanat verrouillé. J'espère que je peux au moins récupérer le bazar que j'ai dedans quand même. Devise, ouais. Bordereau, machin, blabla. Il faut que j'arrive à dégager un truc. Ok, j'ai détruit un anneau. Ouais, prendre. Je sais pas si je peux la prendre maintenant. Utiliser. Ah, on va prendre à fabriquer le banc d'Eslar. Bah, tant mieux. Putain, j'ai cru qu'il y avait un bouquin là, mais en fait, pas du tout. Ça, je vais éviter de le ramasser. Mais là, si je. Ah, ouais, putain, faut que je fasse tout le tour et que j'arrive à emprunter un pont au-dessus. Bah, écoutez, j'avance, on se retrouve là-bas. Hein. Ok. J'ai sorti la monture au final. Ce qui me permet d'aller quand même on ne peut plus vite. Genre s'il n'y a pas un marchand aussi là. Ou à des établis pour décomposer des machins. Oh, vous êtes là. Ouais, quel on est là. Quel plaisir de vous revoir. Vous avez une tablette à me montrer? Tout à fait. Moi, je suis issu d'une longue lignée de maîtres d'épée qui remonte à Yokuda. À Martelfell, mon père se plaignait toujours que mes compétences étaient inférieures à celles de mes 6 frères. Récemment, il a décidé de m'envoyer m'entraîner en Elsewhere. En affrontant des dragons? Par rapport au regard renfrogné de mon père, la flamme d'un dragon est aussi douce qu'un vent d'été. Je me suis attaché à cette terre. Et j'ai tellement appris. Je suis sûr que je pourrai affronter mes 6 frères en même temps à présent. Ok, alors vous comptez rentrer chez vous? Pas dans l'immédiat. D'une certaine manière, cet exil est ce qui m'est arrivé de mieux. Je suis devenu un combattant aguerri, auprès d'un mentor qui m'apprécie, et dans un territoire qui mérite qu'on le protège. Comme mon père dirait, je suis une lame qui a trouvé son fourreau. Au revoir. Attention où okay. Vous mettez les pieds. Oh, vous êtes là? Ouais, voici ce que j'ai trouvé. Fascinant. C'est clairement digne de l'épreuve de connaissance. Bravo! Je veillerai à ce que ces renseignements soient transmis aux archives de la force de défense d'Elsewhere. Voudriez-vous un défi supplémentaire? Rappelez-moi en quoi consiste le défi supplémentaire. Pour obtenir la victoire totale dans une épreuve de connaissance, le défi est simple. Vous devez répondre correctement à toutes mes questions sur les dragons. Je suis sûr que vous y arriverez. Acceptez-vous? Ouais, on accepte. Excellent. Pour commencer, quel est le mode de locomotion principal d'un dragon? Comment se déplace-t-il le plus souvent, en quelque sorte? En volant. Exact! Question suivante. Quel est le nom du dragon dieu du temps? Aldjun? Presque, mais non. Bien essayé, cela dit. Au revoir. Vas-y, vous avez récupéré de précieuses connaissances. Pour obtenir la victoire totale dans une épreuve de connaissances, le défi est simple. Vous devez répondre correctement à toutes mes questions sur les dragons. Je suis sûr que vous y arrivez. Ouais, allez, on accepte. Excellent. Ouais, pour en volant. Exact. Bah, Katoche alors. Quel est le... Oui, sans doute le dragon le plus connu. Il possède une certaine puissance, n'est-ce pas? Et enfin, quelle créature accompagne souvent les dragons au combat? Les loups-garous, les atronacs ou les vazars? Vas-y, les atronacs. Encore correct. Vous êtes véritablement un spécialiste des dragons. Je préviendrai le capitaine Samara que vous vous êtes distingué 2 fois lors de l'épreuve de la connaissance. Bravo.
Ok, au revoir. Bon, cette fois, c'est la bonne. Ok, là, il y a un petit chat. Il y a piller. Non, on va éviter. Toi, je peux te parler. Je ne vends pas les boissons. Pas ouais. La peine de... Ouais, magasin. À vendre. Ouais, le problème, c'est que je sais pas quoi lui vendre. Il y a des trucs, il est marqué qu'on peut faire de la recherche et tout dessus, donc j'aimerais plutôt Matelas, là. Lui, il file une quête. Vous devriez vous reposer ailleurs, étranger. Suture est sur le point d'éclater. Ouais. Je suis sûr que tout va bientôt se détricoter. On a un nouveau chef, Kazda, et il aime bien se faire remarquer. De vous à moi, presque tout Suture est déçu par Kazda, mais personne n'ose le lui dire en face. Enfin, on m'a dit que Tasnasi était de retour. Ce n'est pas une amie de Kazda, croyez-moi. Elle recrute pour un coup, d'après la rumeur. Je doute qu'elle parvienne à convaincre les gens d'ici de se mettre Kazda à dos. Mais une personne de passage... Ouais. Je vais discuter avec Tasnasi. Aux dernières nouvelles, Tasnasi avait dressé son camp sur la bordure nord de la balafre. Mais je doute qu'elle reste en place très longtemps. Dès que Kazda en entendra parler, il lui fera trancher la gorge. Ouais, parlez-moi... qu'est-ce que c'est, Suture ? Ce qui tient lieu d'agglomération dans les parages. Imaginez Fort Rivière au bord d'une falaise, couverte de rhum et de crottins de cheval. Puis invitez tous les hors-la-loi, bandits et exilés à y vivre. Vous avez Suture. Qui est Kazda ? Je ne vous ai rien dit, mais c'est une brute qui se prend pour un roi. Il reste dans son fort de Merval, compte ses pièces et laisse ses gros bras étouffer Suture, qui n'est déjà pas bien vaillante. Et qui est Tasnasi ? Une voleuse qui s'est fait exiler de la ville peu de temps après que Kazda a pris le contrôle. C'est le seul qui vaille le coup d'être dépouillé dans Suture. Alors elle doit en avoir après lui. C'est courageux de s'en prendre à Kazda, mais il veut déjà lui faire la peau. Elle n'a rien à perdre. Ok, au revoir. Ok, les jeunes. Examiner. Ok. On va éviter de voler quoi que ce soit. Par contre, ouais, t'es... Je vais bien finir ma formation. Donc, machin, hop là. Ah ouais, réussissez les épreuves. Donc il m'en reste une. Ce qui serait pas mal, c'est que je la trouve. J'ai plusieurs remèdes contre la gueule de bois qui vous feront. Ouais, ok. Là, il y a un livre, on va le lire. Ok, il n'y a pas d'autres pages. Et je vais descendre en bas, prendre l'éclat, là. Je vais éviter de me casser la margoulette de trop haut. Ah ouais, ouais, c'était limite, là. Un espèce d'ogre qui est en train de manger je sais pas quoi. Ok. Produit un poison de niveau 10, nécessite maîtrise des solvants. Ok, bon bah je peux pas le prendre, tant pis. Ah, il y a une recette infusion de maté. Faut que je dégage un truc. C'est parti, youhou. Ok, j'ai détruit un bâton, ça m'a fait mal au cœur, mais ça je vais le prendre. Mais ça je peux pas. Mais au moins comme ça... Ça, on va l'utiliser. Et on aura appris une nouvelle recette. Et c'est pas plus mal. Ça, c'est une recherche de forge. C'est pour avoir des boosts et tout. Mais déjà, il faudrait que je sois une forge et compagnie. Donc, j'en ai d'autres dans le même genre. Mais bon. Ouais, non, je veux pas m'asseoir. Et toi, je peux peut-être te prendre ça. Je sais pas si j'aurai un truc à mettre sur mon arme.
Comme ça, au pire des cas, j'applique son bousin, là. On poison la couronne, mais il est où son... Ok, là. Produit un poison. Lié un machin, machin. Ouais, ça se trouve, c'est un composant. Ouais, solvant à poison. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, on va prendre ça et on est parti, hein. Ouais, comme ça, c'est fait. Et il m'en manquera plus qu'un. Ah, il y a un coffre. Cette caisse à récompense contient tous les objets incontournables, hein, comme les objets d'ensemble, style, artisanaux ou trésor. Attendez, les jeunes, il me la faut la caisse là. Ok, j'ai détruit mon arc. Je m'en servais pas et vu qu'il est bas level, donc ça je vais le prendre. Non, c'est chiant, c'est que l'absinthe je peux pas la ramasser. Ah donc, revenons ici. Caisse machin et tout, je peux pas l'utiliser malheureusement. Donc, bah écoutez, je suis cassos. On va prendre la map. Là, le cristal, c'est fait. Parler à Tasnasi, bah c'est là-bas, je vais lui parler en chemin. Et puis, bah écoutez, après on va reprendre l'entraînement. Ok, on arrive. Ah, je vais aller prendre ça là-bas aussi. Putain, si le cheval, il pouvait trotter un peu plus vite. Faudrait que je vois aussi pour le booster de temps en temps ma monture, parce que c'est un peu compliqué à dos. Donc ça, c'est fait. Et là, elle serait peut-être au campement par là. Ouais, ça a l'air d'être ça. On va lui causer. Je ne vous connais pas. Très bien. Je connais tout le monde à Suture. Ceux qui ne sont pas dans la poche de Casta se comptent sur une seule patte. J'ai du travail à proposer et bien besoin d'un visage inconnu comme le vôtre. En quoi consiste ta mission ? Casta, ce bousier qui dirige Suture, a amassé son or sous le fort de Merval. Et je compte le lui prendre. Si cela vous intéresse, c'est pour bientôt. Suture empire de jour en jour. Casta pourrait bien partir et emporter son or avec lui. Ok. Vous voulez que je participe à un cambriolage ? Prendre à Casta, ce n'est pas du vol. C'est son prédécesseur, le beau d'Assalzo, qui a amassé cette fortune. Casta se contente d'y rester vautré comme un porc dans sa bauge. Un porc cruel et stupide. Et maintenant, il laisse Suture dans la misère. C'est un châtiment juste. Je vais vous aider à soulager Casta de sa fortune. Nous avons aussi besoin de ma vieille équipe. Vol, Seren et Nazdar. Vol vient de travailler pour Jubani. Il doit être à sa ferraille. Seren sera sans doute au goitre des gloutissants. Et Nazdar en goguette quelque part. Nous nous trouverons au boyau, au fond de la balafre. Pouvez-vous m'en dire plus sur les gens que je recrute ? À qui vous intéressez-vous ? Vous avez mentionné un certain vol. C'est le meilleur mécaniste, hors de la baie de Nibun. Ce qui est rare pour un elfe des bois, je sais, mais c'est vrai. La forteresse de Casta est équipée de mécanismes étranges pour écarter les visiteurs importuns. Vol nous aidera à les traverser. Ce n'est sans doute pas la meilleure mage d'Elsewhere, mais je ne trouverai pas mieux à Suture. Elle passe plus de temps le nez dans son verre que dans un livre, mais une fois dessoulée, elle sera très utile pour atteindre la salle forte sans encombre. Prenez-moi un peu de Nazdar. Ce vieil adepte était exceptionnel à son époque. Il paraît qu'il pouvait briser un rocher avec sa petite griffe. Il ne se bat plus beaucoup, mais il reste en forme. Je l'ai constaté personnellement. Il est fluide comme l'eau et silencieux comme le vent. Ok, parlons d'autre chose. Faites vite. Il y a beaucoup à faire avant de soulager Casta de sa fortune. Vraiment des avantages sur Casta que nous combats. C'est une vermine. Casta s'est hissé au sommet de Suture par la peur et la traîtrise. La loi n'a jamais régné à Suture, mais le beau d'Assalzo y avait amené une certaine paix. Un but commun. Et maintenant la ville bascule dans l'anarchie. Casta n'y remédiera pas, il entretient ce désordre. Qui était le beau d'Assalzo ? Le dirigeant de Suture, avant Casta. Il est mort aujourd'hui. Ce qui lui appartenait est à présent à Casta et sera bientôt à nous.
Ouais, j'aimerais en savoir plus sur Suture avant de m'y rendre. Un refuge dehors la loi, grand comme une ville. Il n'y a pas grand chose à dire. Que voulez-vous savoir? On s'en avantage sur la ferraille de Jubani. La façade légale des affaires de Jubani la Fourgue. Sa bande pille et récupère des objets dans toute la balafre. Attends, j'ai pas eu demandé un tas de trucs là-dessus si on n'a pas fini. Vendre des déchets à un prix bien supérieur à leur valeur. Ce qui tient lieu de taverne à Suture. Les jumeaux Averno y tiennent leur bureau de prêteurs sur gage. Ne vous laissez pas convaincre de leur rendre un service. Ils ont l'air inoffensifs comme ça, mais tout a un prix pour eux, et tout le monde le paie. Le boyau. Ce sont les égouts qui passent sous le fort de Merval. Nous pourrons nous y retrouver sans attirer l'attention. Et vous comprendrez vite pourquoi. Okay. On rencontre peu de personnes aussi méticuleuses à Suture. Je vous écoute. Au revoir. Ok. Donc c'est parti. Écoutez, j'ai cherché les trois larrons et on se retrouve après. Hein. Faudrait que j'aille derrière. Je pense que... non, je veux bien rezoomer là où j'étais. Je vais aller chercher celui-là en premier. Hein. Ok, par là. Ok, Mur, on est là, on est de retour, on peut lui parler à la petite dame. C'est un moment que je n'avais pas vu ma vieille équipe. Depuis... peu importe. On ne vous a pas suivi, oui? Non, je ne suis pas la bienvenue à Suture. J'ai un peu une prime de 70 pièces d'or sur ma tête, mais c'est pas grave. Cache d'avis, un passif, qu'est-ce qui s'est passé? Persuasion, je l'ai pas ce talent, je peux pas m'en servir, c'est relou. J'étais innocente. Mais personne ne m'a cru. Lorsqu'un coupable a dû être trouvé, Kasda s'est empressé de me désigner. Ils se sont alors détournés de moi. Ça s'avérait problématique pour le braquage? Non, ce n'est qu'un braquage, c'est tout. Je sais, j'ai l'air de vouloir me venger et m'innocenter, mais je déteste cet endroit. Et je vais partir pour de bon une fois que j'aurai les poches bien remplies. Et maintenant, parlons du plan. Je suis tout oui. Aujourd'hui, nous attaquons Kasda juste sous son nez. Nous allons entrer dans les sous-sols du fort de Merval par les égouts, à condition que Vol puisse crocheter les serrures. Des serrures? Comme c'est mignon. Ça pourrait aussi bien être des rubans, en ce qui me concerne. Bien. Dans la cour, il y aura des sentinelles. Ah ouais, je suis grand, en fait. Le sort de téléportation de Soren nous permettra de passer discrètement. Ah. En même temps, je suis un elfe. C'est à moi que vous parliez? Nous entrerons par une remise au premier étage. Nasdar escaladera le mur et nous fixera une échelle. Comme le dit Urua l'Observatrice. Je vois. Avec le nouveau venu, je m'occuperai de toute opposition éventuelle. Commençons. Ouais, c'est parti. Grimpons dans le donjon. Ok. Contente de te revoir au travail, Vol. C'est agréable de travailler. Vous êtes moins autoritaire que Jubani. Alors, trouvons quelques serrures. Bonne chance, jouer. Et travaillez vite. Ouais, il faut que je passe par là, donjon supérieur. Atteignez la cour de la forteresse, machin. Ouais, je suppose que c'est par ici, ouais. Je sais pas s'ils me suivent derrière. Non, je peux rien prendre. C'est par voilà là. Le verrou. Surveillez mes arrières, voulez-vous? Ouais. Continuons. Ah ouais, d'accord, ok. Non, mais reste pas là. Pas à quoi ça attaque là, mais attaque dans le vide. On va crever là. Putain, ma fleuve d'araignée, je peux pas le prendre quoi. Putain, c'est pas possible ces histoires d'inventaire et de place là. Et toi? Vas-y, on s'en fout. Allez. Je sais pas ce qu'ils font les deux autres là, mais bon. Donc atteignez, ouais, la course, ça a pas changé, c'est reparti. Je sais pas où, ouais, la porte, elle est là.
me faudrait un crochet en ébonite pour celle-ci. Vous connaissez la routine. Peuraient être celui-là. Heureusement que je me mets de la graisse dans les cheveux. Bon bah je vais faire les araignées les jeunes. Ok Cassos. De redécorer, on dirait. Je n'aime pas beaucoup. Dégagez le passage, voulez-vous? Voilà. Espérons que c'était le dernier. J'ai mal aux doigts. C'est l'entrée de la cour. Ok. On arrive à l'entrée de la cour. On traîne pas. Ok. Ouais, c'est parti. Sirène, à toi de jouer. Oh, allez, arrêtez de bouger. Vous me donnez la nausée. Tiens, regarde, je dois bouger. Concentrer. Concentrer le pouvoir. Imaginez la destination. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que... Pour l'instant, tout va bien. Et maintenant, vol. Vous pensez vraiment? Comme disait le tavernier, vous n'avez pas l'air frais. Oh, voilà qui est fâcheux. Je préfère mes pieds. Ouh, j'ai bien cru vous avoir perdu. Par les lunes, vous n'êtes pas blessé, hein? Tous vos membres sont là où ils devraient. Ça va aller. Et Nasdar est en forme, on dirait. Alors le moins bon. Nasdar et vous n'êtes pas là où je comptais. Et je ne pourrai pas relancer un tel sort tout de suite. Vous allez devoir nous rejoindre par vous-même. Ok, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il y a une règle de base en magie. Boire ou incanter, il faut choisir. Et moi j'avais bu il n'y a pas longtemps. Je n'aime pas respecter les règles. J'ai perdu le contrôle de mon sort pendant que je vous téléportais, Nasdar et vous. Oh, désolé. Asnassi veut que Nasdar et vous alliez au pied de la tour sud. Ouais, c'est là que nous regarde. Attendons. Elle insistait aussi pour que vous ne tuiez aucun garde. Vers le nord-ouest? Est, en gros? Vous allez devoir traverser la cour. Donc, évitez les patrouilles. Ne vous faites pas attraper. Tasnassi sera très contrariée si vous tuez quelqu'un. Ok. Elle dit que ça donnerait l'alarme, mais je connais la vérité. C'est parce que Tasnassi travaillait avec eux. Il faisait partie de l'équipe du Bodas Alzo à l'époque. Elle dit qu'elle s'en fiche depuis qu'ils l'ont exilée. Mais c'est même pas vrai. Ok, on serre les fesses. Marchez doucement, Monseigneur Endo. Si nous avons un problème, sachez que je ne pourrai pas vous aider. Mes poings ne sont plus des armes. S'il y en a qui se pointent par là... Doux comme un murmure, rapide comme un cri, enseigne le troisième doigt de la griffe murmurante. Putain, il y en a juste à côté, là. Comme le dit le deuxième doigt de la griffe murmurante, l'ombre dévore la curiosité, le temps et l'intérêt.
Écoutez le troisième doigt de la griffe murmurante. La distance est supérieure à toutes les armes. Le quatrième doigt de la griffe murmurante intime, maîtrisez l'espace pour le traverser sans être vu. Je fais comment pour passer là? Alors c'est à court, étape optionnelle, ne tue aucun garde. Ouais mais là je peux pas passer hein, moi je me transforme en chat les jeunes. Vous vous en êtes... Ah non c'est des gentils ouf, putain merde. Quel con. Tant mieux. Et l'autre il était avec moi il y a deux secondes ici quoi. Tout sera terminé. Pourquoi je cours vite? Je vous paierai un verre pour me faire pardonner. Par les lunes sereines, quand ce sera terminé, je vais fracasser toutes les bouteilles de vin en Elsewhere. Ah, si je les bois en premier. Ah, Lasdar, tu es notre porte d'entrée dans la tour. Tu es prêt? L'ascension du corps n'est rien par rapport à celle de l'âme. Saint Yoshito était sage. Ok, Saint Yoshito était sage. Ouais, grimper. Je suis coincé légèrement. Ok, grimper. Vos genoux ne devraient pas faire un bruit pareil, hein? Ils ne devraient faire aucun bruit, Vol. Il y a une recette. Ok, j'ai appris. Et j'ai appliqué du poison sur mes armes, comme ça on est bon. Elle, je peux lui causer. Lasdar a réussi à nous faire entrer. Mais on dirait que cela l'a épuisé. Il a besoin de se reposer. Ok. Donc... Oh merde. J'ai d'autres choses à faire dans le palais. Putain, mon doigt, il a cliqué quand sur la souris truite, là. Je vous retrouverai à l'entrée de la crypte, aux étages inférieurs. Ouais, très bien, allons-y. Attention en allant chercher les clés. Ces brutes sont les plus loyales de Khazdah, et aussi cruelles que lui. Ça va aller si je le soupçonne. Ne aucune pitié, et n'en accordez aucune. Sereine? Oui, j'ai l'habitude d'être seule, depuis la mort de Dasalzo. Je connais cet endroit comme ma poche. Tout ira bien. Lasdar doit rester en arrière. Il n'est plus en état de traverser le palais. Avec un peu de chance, Vol pourra le remettre sur pied et l'emmener à l'abri. Tant qu'il reste dans cette vieille remise, tout ira bien. Je croyais que vous refusiez de tuer des gardes. C'était... différent. Beaucoup de gardes du fort étaient proches de Dasalzo. Ils ne suivent Khazdah que parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Les chiens de garde de ce palais ne sont loyaux qu'à Khazdah. Ça justifie de les tuer? Les plus proches de Khazdah ne sont pas loyaux par vertu, mais parce qu'ils peuvent ainsi assouvir leurs pires instincts. Je ne vous demande pas de les punir, mais personne à Sutur ne les regrettera. Au revoir. Ok, le petit chat. Eh bien, je suis mieux avec vous qu'avec l'adepte canonique ou ce pédant d'elfe des bois. Vous avez l'air de savoir vous battre. Moi, je ne sais que m'assommer avec une bouteille. Mais je connais un ou deux sorts pour étouffer le bruit des combats. Ok. Ce sont les lieutenants qui doivent les avoir, je pense. Ils vont au goître déglutissant de temps en temps. Ils boivent comme des trous et se vantent que le chef leur fait confiance et leur passe tous leurs caprices, littéralement. Ils doivent être dans le palais, quelque part. Vous pouvez rester discrète. Vous imaginez combien de fois je dois essayer de dormir malgré les bagarres de bar autour de moi, à Sutur? Croyez-moi, celui-ci, je pourrais le lancer même ivre. Si seulement il y avait un sort pour me protéger des réveils brusques à coups de seau d'eau. Ouais. Ok, Cassos. Ouais. Il y a une clé en bas, il y aura une clé par là. Ah merde, je suis détecté. Bon bah pour le coup c'est moi qui ai pas été discret hein. Ce sont les lieutenants. Non, je veux pas te parler, toi casse-toi.
Ok, il y a un autre arme. C'est bon là, les jeunes. Je suis caché là. Ah, c'est le chat qui s'est fait repérer là. Casse-toi, allez, la clé. Bon, écoutez, je vais chercher les autres, on se retrouve après. Hein. Et voilà, il la tient. Il la tient. Moins fort ? De quoi parlez-vous ? Ok, ils sont là. Kasda, avec son garde du corps, le plus gros que j'ai jamais vu. Ils ont coincé Tasnasi pour la ramener là-bas. Vous devez la sauver. Ouais. Entre Tasnasi et les deux machins, allez, c'est parti. Sens, hein. Ouais, petite dame avec moi là. Tu as toujours été naïf, Tasnasi. Et Tasazo aussi. Si concentré sur l'avenir que vous n'aviez pas vu, vous pouvez dire de rien. Ouais, je suis en train de m'exciter dans tous les sens, mais ils sont déjà tous scannés, quoi. Ok, donc nous, faut qu'on fonce par ici. Viens, ma petite dame, on va y aller ensemble. On dirait qu'il ne te reste qu'un seul ami. Et plus pour très longtemps. Tiens, bouffe. Ah oui, il est déjà mort. Il est où l'autre là ? Détachez-moi ! Suivez-le ! Oh, attends. Ah ouais, les jeunes, vous déconnez quoi. Ah, faut que je fasse de la place. Ok, les jeunes, il la repop. Ouais, je vais juste prendre l'or et je suis qu'un sauce. Bon, j'ai pas pu tout prendre, j'ai juste pris le coffre. Pitié, Tasnasi, épargne-moi. Okay. Silence, Kasda. Encore un mensonge et je t'arrache la langue. Il parlait. Il est coupable de tout ce dont je le soupçonnais. Il a tué Dasalzo. Il m'a fait accuser. Et il en était fier. Maintenant que j'ai mes griffes sur sa gorge, il va découvrir le sens de la clémence. Je n'ai plus de chez moi. Il me l'a volé. Et il ne pourra jamais me le rendre. La seule preuve que j'ai, c'est la parole de Kasda. Mais même s'il avouait, même s'il m'innocentait, Sutur ne sera plus jamais la ville que j'ai quittée. Ok, qu'allez-vous faire de lui ? Le seul plaisir qu'il me reste est de tuer Kasda. Ensuite, je laisserai tout ça derrière moi, définitivement. Ne faites pas ça, Tanasni. Si vous le tuez, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Sutur reste votre foyer. Alors tuez-le, si c'est ce que vous voulez. On va être... Dasalzo est mort. Tous ceux que je connais m'ont tourné le dos. Sutur est en ruine. Pourquoi voudrais-je y retourner ? Parce que vous y tenez encore, votre équipe s'en rend compte, et moi aussi, vous pouvez encore tout arranger. Vous avez raison. J'ai essayé d'oublier, essayé d'aller de l'avant. Mais il ne se passe pas une nuit sans que je ne rêve du passé. Je sais ce qu'il faut faire. Je vais le forcer à affronter la justice de Sutur. Attendez-moi à la taverne, en ville. Ah, je vous retrouve là-bas. Je ne te ferai cette proposition qu'une seule fois. Avoue tout ce que tu as fait devant Sutur, et je ne te ferai pas essayer tes propres instruments de torture.
Dasnazi, tu as gagné. Debout. Tout futur entendra la vérité avant la nuit. Dragon. Ok. Mon ami. Non, mieux que cela. Mon frère. Les actes de Kasdas sont parvenus aux oreilles de Sutur. On m'a innocenté. Pour le moment, au moins, nous avons une raison de trinquer. Ouais. Ou, dans le cas de Seren, une autre raison de trinquer. Maintenant, que se passe-t-il ? Dasnazi est rentré, et vous pouvez profiter de son hospitalité. Levez votre verre, étendez vos jambes et comptez votre or. Il y a fort à faire pour réparer les torts causés par Kasdas, mais c'est à moi de m'en inquiéter. Ouais, votre bon, j'ai arrêté terminé, d'afficher. Même si le mien ne fait que commencer. Ok. Ouais, je peux pas le prendre. Bah, écoutez, je vais essayer de faire de la place et de vendre du bazar. Et je récupérerai ça la prochaine fois. Malheureusement, l'entraînement va falloir reprendre une autre fois, sinon ça durerait trop longtemps. En tout cas, j'espère que cette petite aventure vous aura fait plaisir. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et on se retrouve pour la suite de nos aventures la prochaine fois. Et j'éviterai de prendre une quête au passage. Et on se focusera surtout sur ce qu'on avait déjà commencé à faire. Et si vous voulez pas louper tout cela, ben n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde et surveillez bien. Excellent! Or donc, il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts. Allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour. Qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros. Vite! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau.